Hello tout le monde, c'est Learn to Play, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour du Black and White 2. Et oui, effectivement, pas sur Dota. Et oh, que se passe-t-il? 2 petites secondes, on m'agresse. On m'agresse et ma créature n'a plus de vie. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on va tout de suite riposter. On va tout de suite riposter. Allez crever! Ah mais c'est une véritable invasion en fait, ils grimpent par la montagne, d'accord. En fait ils ont fait tout le tour pour venir nous attaquer. Ok, bon, on va riposter les gens. Et donc je disais, excusez-moi, j'ai été interrompu par ce petit malentendu. Je disais que cette vidéo n'était pas sur Dota comme je l'avais dit à quelqu'un il me semble. Parce que là j'avais pas le courage de faire du Dota. Puisque je suis juste crevé, enfin bref, je vais pas raconter ma vie, mais voilà quoi. Et là, Black on White, c'est calme et tout. J'avais pas envie de me lancer dans du Dota, puisque c'est plutôt chaud le Dota. Si vous voyez ce que je veux dire. Ah! Merde! Je crois que j'ai mal calculé mon coup. Ah, mais c'est bon, eux, ils sont en train de cramer à moitié. Maintenant, on va utiliser le pouvoir électrique, puisqu'on est des fous! Voilà. Voilà, c'est dit. Merde. Ah d'accord. Ah si, c'est efficace. C'est efficace. Je dois l'avouer, c'est très efficace. Par contre, notre créature... Ah, il y en a deux qui sont... Non mais je crois qu'on s'est mal compris les mecs. Allez vous faire feu. Oula, désolé, méga lag. Voilà, voyez le pointage, on peut... Oh non. Oh, ils ont tué ma créature. Putain, elle meurt dans une façon un peu spéciale, je dois vous l'avouer. C'est plutôt chelou. Oh, mon téléphone vibre. Ok. Voilà, voilà. Bon, bah alors là, je pense qu'on va pas faire un épisode trop long, histoire, on va finir le royaume tranquillement, on va pas trop se précipiter. Puisque moi j'aime beaucoup ce monde là, c'est le premier monde japonais, il est génial. Enfin bref, j'arrête de dire des conneries. Et donc notre créature est décédée tragiquement à la suite d'une malencontreuse une flèche perdue par deux niaques de japonais. Enfin bref. Et donc aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait? Donc création d'armée obligatoire hein, si on veut conquérir nos amis. Nos amis Pensoy là-bas qui n'ont plus que... Ils ont peu de troupes, hein. Vraiment très peu de troupes. Le coup a été fatal la dernière fois, je sais pas si vous vous en souvenez dans l'épisode précédent. Pourquoi je peux... Ah merde, c'est pas fini, d'accord. Ok, j'avais mal cru. Oh là là, désolé, petit lag. Donc on va finir de construire... Hop, il faut du minerai, le bâtiment pour les catapultes, puisque on va en avoir besoin. Pour détruire les murs, vu que notre créature est au 7ème ciel, je ne sais pas ce qu'elle fait. Voilà. Magnifique. Tech. Ok, alors on va prendre une catapulte. Les Grecs construisent des armes de siège, comme nous disent les sages. Oh là là. Les nôtres à les affronter. Mais ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Tiens, pour la peine, j'ai envie de commettre un meurtre, là. Tu m'as donné envie, là. Toi, tu sers à rien. Voilà. Voilà, c'est dit. Je... Ah, bah tiens, un autre... Oh, bah d'accord. Ok. Ok. Alors là, vous avez été témoin d'un... De quelque chose de magnifique. Je suis déprimé. Mais non, mais non. Mais non, tout va bien. Ah, c'est bien. Oula. Hop, voilà. Donc, alors, ce qu'on va faire, création d'armée, on va faire archer fantassin. Ouais, ça me semble... Bah ouais, enfin quoi, on peut faire que ça de toute façon. Oh là, non, par contre, ouais. Non, on va réduire. Si on va faire... De toute façon, on a 255 hommes disponibles. Donc, un archer de... Un bataillon d'archers de 80. Ça me semble suffisant, par contre je ne... Ah oui voilà, ma garnison est ici, à chaque fois je me trompe. Et on va faire un... On va faire deux bataillons d'hommes fantassins. Voilà. Plus la catapulte.
On va en prendre qu'une seule vu que notre créature est revenue et on va tout de suite aller mobiliser nos troupes dans ce coin-ci. Donc voilà, nos escadrons vont se former avec les magnifiques lacs. Je sais pas quoi c'est dû, ça m'énerve. Ça commence à me casser sérieusement les burnes. Ici, bon, ça se porte bien. Hein. Bon, on n'a pas vraiment joué le côté, ouais. On va étendre nos petits villages colonisés. Ici, on est à combien d'habitants à peu près? Ouais, on est à. Ouais, on est que dalle, quoi. Il n'y a pas foule. Je ne comprends pas pourquoi ces maisons ne sont pas construites. Bon, écoutez. Ça a l'air d'être un petit peu. Disciple reproducteur. C'est pas ce que je voulais faire. Mort, désolé. J'étais obligé de te mettre au sacrifice, là, hein, mais. Voilà. Tu ne m'as pas laissé le choix. Et donc, on peut voir que. Ouais, nos trois bataillons, exactement, sont terminés. On va pouvoir passer. Enfin, on va pas le faire tout de suite. D'abord, je m'amuse un petit peu. On va pouvoir passer à l'assaut final, j'ai envie de dire, qui sera décisif pour notre ami. Enfin, ça change. C'est pas du spoil, mais bon, voilà, c'est pas le dernier royaume japonais, bien sûr, hein, pour ceux qui connaissent, il y en a beaucoup. On m'a également demandé si je pourrais faire plus tard des vidéos sur Black and White 1. Alors peut-être, ouais, si je trouve le jeu, ouais, normalement, ouais, ça devrait le faire, surtout qu'on peut jouer en multi. Ça pourrait être sympa, ouais. Franchement, c'est une bonne idée. Donc je pense que c'est ce que je ferai plus tard, mais pas tout de suite en tout cas. Tac, on remet le bois. Je sais pas pourquoi il y a du bois ici, mais c'est pas grave. Sinon, je tenais à m'excuser si vous n'avez pas eu beaucoup de vidéos ces derniers temps, là, la semaine dernière, puisque enfin voilà, c'était ma semaine avant les vacances, parce que oui, je suis en vacances et donc bah j'avais pas beaucoup de temps, quoi. Vraiment, c'était assez chaud, puis j'étais un peu fatigué aussi, donc. Oh, notre créature vient de gerber. Oh, c'est ignoble. C'est dérolasse. Ah, et c'est tout vert. Bleh. Enfin bref. Ok, alors tout de suite. Premier réflexe. Ah oui, je n'avais pas pensé. On va aussi essayer d'accomplir le maximum d'objectifs pour nous rapporter le plus de points d'offrande et nous acheter des trucs de taré. C'est moi ou... Ouais, ils sont encore là, cette famille de loups. Ils ont la même dégaine. Il y a toujours le papa, la maman, l'oncle, le fils. Le fils aîné, le cadet et le. Je sais plus, j'ai oublié. Le dernier, je sais plus comment il s'appelle. Le Benjamin ou j'en sais rien. Oh, genre, je m'en fous. Et donc, ils font toujours le tour de cette petite forêt. Qui sera bientôt détruite. Ville à conquérir par la force. Ok, bah c'est ce que je compte faire. Donc. Plutôt, on va aller avant de faire. Ouais, c'est ce qu'on va faire. Au lieu d'aller là directement, on va aller choper ici. Mais ça suffira pas, je viens de réfléchir. Ça suffira pas. Et oui, il nous en manquera une. Ah, tant pis. La créature rassemble des ressources. Construire une merveille. 100 000. Ah, c'est vrai que c'est. Attendez, avant de. On va voir si on peut en acheter une au moins. Alors, les merveilles. Non, j'ai pas assez. Donc, je ne peux pas construire la merveille. On ne pourra malheureusement pas gagner ces merveilleux 100 000 points d'offrande. Conquérir ce royaume, par contre, on va l'avoir. La créature assemble de ressources. Bon, ça, voilà quoi. La ville à conquérir par la force, on peut pas. Bon, bah voilà quoi. C'est pas très très grave au pire. Toi, faut que tu viennes ici. Ok, bon. Ça devrait le faire comme ça. Et notre petite prison. Ah 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 ah. Ils sont toujours là. Attendez. Heureux élu, les amis. Voici votre nouveau chez vous. J'espère qu'il sera à votre convenant. Pourquoi elle dort là, elle? Pff, espèce de dépravé. Alors, voyons voir si notre fonderie marche pas mal. Travailleur. Niveau de production. 61%. Ouais, ça a l'air d'être pas mal. Par contre, ça fait chier un peu tout le monde aux alentours. Mais c'est pas grave. De toute façon, on est le mal. On est des oufs.
Hop, vas-y, clé. Eh ben, oula, il y a petit bug de. J'ai pas compris. Oula, d'accord, je comprends pas exactement ce qui se passe là. Ah, on peut rejoindre le chat. Ah, mais oh, tu vois bien que c'est la nuit là. Alors, ici, ça m'a l'air d'être une méchante pente. Ça fait vraiment bizarre ma créature qui dort en plein milieu de la rue. Tac. Toujours les chemins. On relie. On fait ça à la. À la Fifouland. Voilà. On met toujours les mêmes maisons. Toujours aucune variété. Mais ça, c'est le début. C'est le début, les amis. D'ailleurs, on aura plus de points d'offrande plus tard. Et on pourra s'acheter plus de trucs en conneries. Là, j'économise juste pour avoir au moins une merveille. Ou deux. Vous voyez, histoire de voilà que ce soit un peu marrant dans les combats. Sinon, je vais voir si je peux recruter d'autres hommes. Ce serait intéressant, par exemple, des archers, ouais. Ah bah carrément, ouais. 100, voilà. Pour pas non plus choper tous les hommes et que ce soit la grosse merde, effectivement. Si vous voyez ce que je veux dire. Et eux, avec leur sommeil, là, ils commencent à me les briser, hein? Vous avez qu'à dormir. D'ailleurs, je vais. Alors c'est celui-là, ouais. Le miracle de l'eau. J'arrose les récoltes. La 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 la. Je suis comme ça, même si ça ne sert pas à grand-chose. Apparemment, ça faisait attaquer, non? Non, j'ai pas compris. Et notre escadron se forme sous nos yeux. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Ils ont le visage bleu, les yeux rouges, la bouche ouverte. On dirait des vampires et ils ont, on dirait des tenues des archers japonais. C'est très spécial. Attendez, on va faire méga lag. On va faire un tour chez les fantassins qui sont ici. Eux, ils sont normaux. Ah non, eux aussi, ils ont le visage. Ouais, c'est un peu bizarre, hein. Écoutez, je sais pas du tout à quoi c'est dû. Enfin, si, c'est le fait que je sois magnifique, mais c'est marrant. Je trouve ça drôle, franchement, c'est très très bien fait. Il y a plein de petits détails comme ça. Qu'on remarque pas forcément. Et en fait, ils ont pensé à tous les bougres. Ça m'a l'air d'être un petit peu haut, ça. Ah, j'ai mis une japonaise dans la prison. Ah là là. Ça mérite un sacrifice humain! Trop âgé pour être un disciple. Bah, ça tombe bien, c'est un vieux, il aura fait ça. Mais attendez! Est-ce que. C'est quoi ça? Non, c'est un rocher. Ah non, il me semblait que j'avais pas fait la fosse de torture. Merde! Bon, bah, désolé, tu seras sacrifié ici même. Adieu. Toi, tu regardes? Toi aussi, t'es un vieux. Hop, voilà! C'est complètement gratuit contre les personnes âgées. Hein. Ne reproduisez pas la même chose chez vous. Hein. Bien évidemment. Tiens, d'ailleurs, j'ai pas fait. Oula, par contre, là, je suis arrivé. J'ai pas fait depuis longtemps un petit point. Question population. Ouh, ah oui! Ah oui, c'est bon. On a doit avoir dans les 1000, un truc comme ça, je crois. Ok, on a notre. Par contre, ça va bouffer toute notre bouffe. Ça va bouffer toute notre bouffe, si j'ose dire. Ouais, ça a du sens. Excusez-moi, là, je crois que je viens de taper dans le micro, je n'ai pas fait exprès. Bon, oula. Petit bug graphique. Oui, alors, j'ai cru comprendre, oui, puisque ça. Ça prend vraiment pas mal de ressources, l'armée. Je vais prendre 12 000 d'ici. Faites-en bon usage. Ici aussi, je suis. Ils ont. Ah, ils ont pas assez. Non, eux, ils ont à peine assez. En fait. C'est ici que ça récolte pas mal. Hein. Ouais. Par contre, là, ça descend à une vitesse. Vous voyez, je suis pas du tout en ex. Quoique. Voyez que ça baisse. Le tas baisse progressivement. Et mine de rien, on a une jolie petite ville. Vous voyez, c'est devenu tout gris au centre et quand même, c'est vert au milieu. Par contre, je vais en profiter pour. Elle est où l'autre? Elle est où, Meu? Meu! Where are you, Meu? Bitch!
come on, bitch. C'est l'heure de l'assaut final, motherfucker. On va envoyer du pâté. Let's go. Donc, nos archers sont sur la route. Alors, ce qu'on va faire, on va déjà zigouiller ces espèces de guignolos. On va péter la porte avec l'aide de la créature et de la catapulte. Et puis ensuite, on va entrer et... Enfin, non, je suppose que eux ils iront sur les murs. Alors, faut voir ce que c'est. Eux, c'est des samouraïs. Non, eux, ils monteront sur les murs, ça servira à rien. Par contre, faut faire attention à eux, même s'ils sont pas beaucoup. Ouais, c'est que des samouraïs. Ils ont plus d'unités à distance. Ok, donc on est safe. Je vais pouvoir... Ok, alors est-ce qu'elle est là? Oh là là, tellement grosse. Bon, écoutez, on va attendre 2 petites secondes qu'elle arrive. Je vais pré-avancer ma catapulte. Nous partons sur le champ. Attendez. J'espère que ça va pas déclencher la... le combat. Donc déplacement de troupes. J'espère que ça va pas être trop près pour les défier, enfin pour les attirer. L'autre elle est où? Elle arrive. Elle court. Mine de rien, on a une armée plutôt. Bon, c'est pas énorme, hein. Je veux dire, c'est pas une armée là, c'est juste. Enfin voilà, je dirais, c'est. Rien que ça, ça, c'est un régiment pour moi. C'est... Voilà quoi. Bon, on se comprend. Ok. Elle est là, bah let's go. C'est parti, on y va. Restez groupés. Ne faiblissez pas. Oui, t'attaques. Pas de pitié, t'es plus fort. Nous partons sur le voilà, alors j'ai l'impression qu'ils ont peur. Ne faiblissez pas. Pendant que toi tu vas aller. Voilà, ils ferment leur porte, alors ça c'est tout à fait normal. Pendant ce temps, toi. Allô. Voilà, tu vas venir là. Et tu vas aller péter aussi. Allez, vas-y. Vas-y, cocotte. T'as intérêt à envoyer du pâté. Bon, on les a tout simplement décimés. Alors, je crois que... Non, apparemment, ils n'ont rien capté là-bas. Donc, on va positionner devant les portes. Voilà. En attendant que la catapulte... Alors, on va regarder, c'est assez fun. Le rocher, on sait pas d'où il est sorti. Voilà, il y a un rocher qui est apparu. Oh ! Oh, par contre, j'espère que ça touche pas ma créature. Vous voyez, la porte, elle est... Voilà, il n'y a plus de porte. On peut entrer. Let's go. C'est parti. Ah, mais va attaquer. Allez-y, vous aussi. C'est parti, les amis. Assaut final. Grande bataille. Alors, notre créature. Voilà, pouvoir électrique. Ah, par contre, non, j'ai eu peur, ça ne tue pas nos unités. Ça c'est cool parce que ça va lui faire monter son niveau maléfique. Wow, pff, c'est du... Ah. Qu'est-ce qu'elle fait notre créature? Non. Va plutôt aider nos archers, là. Elle est en train de péter les murs. Non, toi, va plutôt péter ça, tiens. Ça va leur priver de l'eau de stockage. J'ai l'impression que ça tue nos hommes aussi. Ah, parce que là, vous voyez, les samouraïs ont bien déglingué nos troupes de... Ah, par contre, ma catapulte, faut que je la protège. Nous partons sur le champ. Allez-y. Et hop, je les envoie capturer. Toi, tu vas là. Voilà. Donc, nos archers en sont venus à bout. J'ai l'impression, voilà, on commence déjà à péter. Bon, bah voilà. Bah, les amis... Défendez la ville. Nous partons sur le champ. Défendez la ville. Voilà, on a pris possession de la ville. Enfin, pas tout à fait encore, mais c'est un massacre. Il y a même des civils morts partout. C'est assez affreux, je dois le dire. Mais ce fut une belle bataille. Franchement, c'est assez réaliste, je trouve. Allons-y. On va les faire pénétrer dans la ville. Allez, la créature, on va la mettre ici. Vous voyez. Ah, ils font moins les firmes, là, hein. Oh, regardez ça, c'est splendide. Prenez les screenshots, les amis, les screenshots. Non, je sais. Oh, il y a des éclairs, là. Oh.
Félicitations. Et bien voilà les amis, c'est terminé de ce royaume. Nous en avons fini. Les rumeurs prétendent que les Grecs ont séduit les Scandinaves par la pureté de leur architecture et la finesse de leur culture. Ça ne peut pas être vrai. Coucou. Les Grecs ne se sont pas contentés de nous impressionner. Leurs troupes ont été brutales et sans pitié. Je dois affronter la honte d'avoir été vaincu. Ah ben, là tu peux t'en prendre 4 heures. Au courant. La prophétie réalise. Ce peuple est protégé par les dieux. J'ai été le témoin de miracles. J'ai vu une créature. Je dois passer par le portail pour retrouver mon frère au plus vite. Bah vas-y, vas-y, bien, vas-y. Nous devons partir pour Nagoyen. Nagoyen. Cliquez sur le parchemin d'or pour quitter ce royaume. Ok. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais regardez-moi cette flamme qui est... Eh ben voilà, les amis, c'est splendide. On est à 100% de maléfique. C'est superbe. Et nos troupes qui ont envahi la ville. On possède dorénavant cette cité. Et vous voyez, on possède la merveille. On peut l'utiliser. Donc voilà. Ok, bon. Tu es tout être vivant. C'est quoi cet objectif? On doit tuer tout le monde. Alors si c'est ça, je vais enregistrer. Et on le fera cet objectif, tuer tout être vivant. Je pense que ça risque d'être très très drôle. Ouais, les amis, je vais sauvegarder ici et je ferai une vidéo spéciale pour réaliser cet objectif. Qui à mon avis sera plutôt très bien, très fun. Par contre, je me rends compte que j'ai pas mis de... voilà, de lanterne. C'est quand même dommage. Hein? Une ville sans lumière, non mais oh, vous avez vu ça où? Oh là là. Bande d'incapables. J'en mets un peu partout là, je parlais plus mais j'en mets un peu partout, putain, y a pas la place pas. Et moi pendant ce temps là je pose des lanternes. Non il y en a déjà une. Je sais même pas pourquoi je fais ça en fait alors que j'ai fini, c'est complètement con. Ah c'est dur à se saisir cette... Saloperie, t'as qu'à aller t'en chercher, il y a des champs. C'est vrai que les champs sont pas très... sont pas très importants. Compte tenu de la population que l'on a, compte tenu des besoins sans cesse croissants. Et voyez, regardez, c'est pas beau ça? C'est pas beau? Des flammes rouges, rouges, ça fait de la lumière rouge. Je trouve que ça donne un certain charme carrément au jeu. Après, ça fait bizarre de... Quand on sait qu'on a toujours fait le bien de... Ça fait bizarre de jeu comme ça, en fait. C'est triste, c'est malheureux. Oula, par contre, là, j'ai pris un chemin. Voilà, tac, tac, tac. Bon, ça devrait suffire. Vous voyez, c'est beau, hein. C'est magnifique. C'est magnifique. Et donc on est à 25 minutes. Bah je pense c'est bon, ça nous fait un épisode. Ce sera c'est 1 minute plus court que les autres. Mais tant pis, c'est pas grave. Allez. Et bon, on va se laisser là les amis. Donc je vous ai dit on fera un épisode spécial pour réaliser l'objectif. Tuer tout être vivant. Ça risque d'être très drôle. Ah bah tiens, j'ai gagné un embellissement pour construire. Oh, c'est nickel. Et donc j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, laissez un commentaire, un petit j'aime, ça fait très plaisir, puis ça encourage. Et puis abonnez-vous si vous voulez voir la suite. Enfin si vous voulez voir ce let's play en entier bien sûr. Si vous voulez ne manquer aucune vidéo. En tout cas, voilà, merci d'avoir regardé. Et je vous dis à la prochaine. Puisque normalement je suis en vacances donc je pourrais poster pas mal de vidéos. Normalement.
je vous dis ça, je dis bien normalement. Allez, sur ce, à la prochaine, portez-vous bien.